Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième fois en Nanatsu no Taizai UHC. Vous avez fait un accueil juste insane pour la première vidéo sur le mode. Juste merci infiniment pour tous vos retours et vos likes. Et si vous voulez encore une nouvelle vidéo sur le mode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ailleurs vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais plus de la moitié d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge. Nous fonçons tout droit vers les 40 000 abonnés, donc je compte sur vous. Aussi vous l'avez remarqué, nous passons dès maintenant à 2 vidéos par semaine. Donc je compte sur vous pour me soutenir un maximum. Et pour bien commencer, quoi de mieux qu'une game sur un mode de jeu que vous kiffez actuellement, avec un rôle juste mythique dans l'animé et extrêmement bien retranscrit dans le mode de jeu. C'est un personnage très très OP avec plus de 56 000 de puissance de base. Il fait partie du camp du royaume et il est le leader des 7 Deadly Sins. Nous avons la chance de l'incarner aujourd'hui, il s'agit de Meliodas. Et vous allez tout de suite comprendre le titre de la vidéo. Meliodas possède l'effet Force 3. Est-ce que c'est bon pour vous? Après attention, le niveau de force est évidemment modifié. Ce n'est pas de la pure Force 3 car vous vous doutez bien que je one-shotterai tout le monde. Ici, l'effet Force 3 augmente de 35% mes dégâts. En plus de ça, je dispose de l'item Full Counter, magnifique référence à l'animé, car une fois activé, j'absorberai tous les dégâts pendant 2 secondes. Une fois les dégâts absorbés, j'aurai 5 secondes pour toucher un joueur et lui renvoyer alors le double des dégâts, sachant que c'est au maximum 4 coeurs. Et pour rendre le tout encore plus OP, je pourrai utiliser ce pouvoir toutes les minutes, voire moins, car à chaque fois que je mettrai un coup d'épée à un joueur, le cooldown sera réduit de 3 secondes. Et évidemment, étant passionnément amoureux de Elisabeth, je connaîtrai son identité à l'annonce des rôles. Vous l'aurez compris, étant membre des 7 Deadly Sins, je devrais éliminer tous les démons de la partie, comme Zeldris, Gloxinia, Monspiet, Merascula, Derrieri, etc. Et je serai aux côtés de vos personnages préférés, comme Ban, King, Jan, Gauzer ou encore Escanor. Mais attardons-nous quelques secondes sur le rôle auquel je vais être lié toute la partie, à savoir Elisabeth. Elisabeth dispose d'un item qui soigne 3 cœurs au joueur choisi, se trouvant à moins de 15 blocs d'elle. Le cooldown est de 1 minute 30 et peut être rechargé que si elle est proche de moi. De plus, et c'est là le plus intéressant, à chaque début de journée, un joueur aléatoire sera choisi parmi ceux se trouvant à moins de 30 blocs d'elle. Ce joueur aura alors 95% de chance d'être désigné s'il est gentil, et à l'inverse 5% de chance d'être désigné s'il est méchant. Ce fameux joueur désigné sera soigné de 1 cœur. Et vous l'avez sûrement compris, Elisabeth est finalement un rôle à information, car à chaque début du jour, elle aura donc 95% de chance de soigner un membre du royaume qui se trouve autour d'elle. Ce qui est extrêmement intéressant, car elle comme moi n'avons aucune information mis à part le fait qu'on se connaît. Elisabeth est donc indispensable pour qu'on puisse trouver les autres membres du royaume. Il faudra néanmoins faire attention, car il y a tout de même 5% de chance que ce joueur désigné soit méchant. Pour le coup, ça serait vraiment pas de chance. Ah oui, et notez une chose, je ne suis pas le seul à disposer du pouvoir Full Counter. Lors de la précédente vidéo, nous avions un rôle qui nous permettait de nous infiltrer on ne peut mieux du côté des démons. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons le meilleur rôle qui nous permet de nous battre sans crainte face à ces démons. Vous allez donc découvrir ici une toute nouvelle facette du mode de jeu. Je vous rappelle d'ailleurs que si celui-ci vous intéresse et que vous voulez participer au futur game que j'organise, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Yo yo yo. Enfin, moi je vais vous dire un truc les gars qui est pas enfin, regardez-vous. Regardez-vous, ça vous m'énervez déjà. Destaquez d'ici. Vite. Destaquez-vous d'ici, vite. Allez. Allez. Loin, je m'en fous. Loin. Vous prenez votre groupe, vous allez à 100, 150 blocs, 200 blocs, c'est parti les gars, allez. Ouais, faites attention à vous les gars. Ouais, j'étais heal. Les gars, vous avez vu le groupe de para? Oui, il est parti derrière moi, là, là-bas. Non, mais eux, ils se foutent vraiment de ma gueule, hein. S'ils sont pas méchants, je vais couper un bras, hein. Oula, ça, qui ça, ça peut vite partir en... Qui parle de quoi, de méchant? Non mais frérot, de ce que j'ai compris, y a pas beaucoup de rôles à info, et les mecs, ils sont 5 à se faire confiance entre eux. Ah ouais, c'est qui? C'est qui, agressif? Mais en gros, là, j'ai... Bah, du coup, Aikusei se font confiance, Kukari Frozen se font confiance, 100%. Et Zayden, et on a deux méchants. Paradoxia, la bonjour. En vrai, je vais t'expliquer un truc, agressif. Y a moyen qu'il y en a beaucoup qui se fassent confiance parce que, si tu veux, y a les humains, les géants simples et tout. Ils sont assez nombreux, surtout qu'on est 30 dans la game. Et si tu veux, ils en connaissent tous. Enfin, ils connaissent tous leur maître, entre guillemets. Moi, j'ai été Arthur, tu vois. Et j'en connaissais 5, tu vois, donc c'est possible. Après, il y a un monde où évidemment ils sont les 10 commandements, hein, ça c'est. Ce que je sais, c'est que Paradoxia save Zorix. Je sais plus, je crois que c'est Bloodfire a dit un peu qu'il était avec Paradoxia et Pondation et Zayden savaient pour entre eux. Et je sais pas comment ils savent s'enrouler les duos. Bon, répète ce que t'as dit, t'as dit quoi? Il connaît pas assez bien le mode de jeu, je pense. Hein. Non, mais en fait, il y a un truc. Ouais, je pense aussi, mais il avait une épée en or, c'est ça? Il y a un truc qui me paraît que c'est normal parce qu'en fait, j'ai essayé. Attends, est-ce que l'épée est enchantée avec Sharpness ou quoi? Oui, 7. Ouais, 7. Sharpness 7 en or, je crois qu'il a. Ok, non, mais c'est ça, parce que.
a drop son DPS sans faire exprès, je lui ai volé, il avait que T2 en diable, il aurait fait une T3. Est-ce que j'ai des infos ou pas? C'est ça, il a une épée en or sharpness 7, c'est pour ça qu'il a une épée de merde. Moi je vous le dis, j'ai confiance en Zardop et Shinobu. Et j'aimerais bien trouver Paradoxia. Du coup, pour voir un petit peu. Vas-y. On va faire un petit tour. Pegafil, c'est moi. T'as vu Paradoxia? Bah non, il est apparemment dans l'autre sens quoi. En fait, ouais, je le cherche aussi, je viens de capter. Oh, c'est quoi ce groupe, les boys? Zayda, c'est pas ça. Apparemment, tu as attaqué ça. Bah oui, mais il a un rôle. Oui, oui, il a un rôle. Ah, il a un rôle. Bon, si Zayden est humain. Oh là. Ok. Zayden et Max sont attaqués, hein. Ouais, s'il meurt, on va voir. Je peux rester avec vous, les gars? Qui? Ouais, si tu veux, vas-y. Ouais. Ouais, j'avoue. Zayden Galan. Ah, bah, il est avec qui? Kevax, non? AQ, il a dit qu'il avait des informations là-dessus. Il est. AQ, roll solo. AQ connaît tous les 10 commandements. 100% AQ, roll solo. Je le jure qu'AQ est roll solo. Parce qu'il n'y a pas de rôle à l'info. En vrai, il y a juste Gowser, mais bon. Ban aussi, il a l'info. Ouais, mec, je sens. Je sais pas pourquoi, hein. Je dis, je le sens. Ouh là là. Ouh, ce que je viens de voir là. De quoi? Oh là. Oh, Machuga et Yagab là. Pfff, ils viennent se mettre un panneau là. À pas piquer tes hannetons. Et Q, je te le dis, pour moi, t'es Estarossa. Pour moi, tu es Estarossa. C'est le solo ça, non? Ouais. Oui. Ah bon? Bah écoute, ah bon, t'es. Swayze pourra témoigner que non. D'accord. Okay. Après, il peut être banné. Voilà. Mais en fait, de base, j'avais l'impression que Max, j'ai voulu attaquer sous les arbres. Parce que de base, je voulais mettre un panneau pour bait et tout, mais je me suis rappelé qu'il n'y avait pas le droit de bait. Donc, j'ai juste attaqué et il a réussi à courir. Et il m'a boxé. En fait, t'es Gozer ou ban en fait. Je te dis, si les deux meurent, t'es méchant, mec. Hein. Bah écoute, crois-le. J'ai vraiment tué Zayden. C'est oui, mais t'es. Ah, mais je te tue pas là parce que tu peux être Gozer ou ban. Mais vu que t'as quand même des infos assez rapidement. Je te le dis, je ne suis aucun des deux. Voilà, je te le dis. Bah, je vais pas tarder à te. À te gifler, quoi. Écoute, il y a des gens qui peuvent témoigner que je suis safe. D'accord. Ah non, j'avoue. Oui, mais tuer des méchants veut pas dire que t'es safe si t'es solo. C'est vrai, mais il y a. Non, mais il y a des gens, outre ça, qui peuvent témoigner que je suis safe. Ok. Voilà. Et moi, je pense que les gars, d'ici très peu de temps, Je vais sauter Machuga et Yagab, hein, je vous le dis. Là, le panneau qui se sont mis into dispersion. T'as pas pu voir ce qu'il y avait. Ne me va pas du tout. Bah non, on est arrivé derrière, il a instant cassé. Oh, bah voilà, mais je suis le meilleur joueur du monde. Quoi? Je crois qu'il y a Natox. Il est là, Natox. C'est pas toi. J'ai confondu avec quelqu'un. Et les autres, je m'en rappelle plus, mais genre, ils étaient 5, tu vois. Ils sont en train de traîner ensemble, ils sont là-bas, s'il vous plaît. Vas-y, feu. Vous êtes combien? Vous êtes 4? Oui. Vas-y, je vous laisse. Ouais, mais non, mais je t'avoue qu'on a pas confiance. Ouais, Swayze, moyen. Moyen sur les bords. Zoré. Vas-y, moi j'arrive pour me battre, je suis très chaud pour me battre. Vas-y, on prend Pégin. J'ai un rôle de malade, go. Bon, bah, s'il a un rôle de malade. Allez, feu, ils sont. Bah, tout droit. J'aurais dû le sauter, Machuga, j'aurais dû le sauter, je le jure. Ils sont tout droit. Ouais, ouais, ils sont tous là. Oula. Attendez, je recule un petit peu, les gars. Par contre. Hein? Quoi? Oh là là. Il est où là? Mais comment tu fais ça? Oh, je lui fous le compteur. GG. Sur moi, Pega. Attends, mais je sais plus que t'es, toi. Il est méchant, lui. Ouais, mais Frozen est méchant. Ouais, les gars, à l'aide. Qu'un seul par contre, hein, pas deux parce que. C'est quoi ce bordel? J'ai pas réussi à te taper! Non, pitché. Oh si, les gars! À l'aide, bordel, à l'aide! Ils viennent pas t'aider! Il est Meliodas, c'est lui le Meliodas. Oh mais ça lag, frère! Ça lag depuis le début. Attends.
Ah, fais-moi, attends. Bon, bah parfait, y'a de l'eau. Oh non, il va jouer. Oh bah frère, ah, vous êtes un V2, les gars. Bah, go lui mettre des flèches, hein, c'est votre drain, hein. Oh, y'a Zorix derrière. Retourne, Zorix là. Oh oui, mais merci. Faut que je mange, Ah non, excuse. Faut que je mange, il faut que je mange. Fais mal, Pégin. Bien sûr que je fais mal, mon. Oh, merci. Gaz vers toi. Je la prends, gros. Non, attends, laisse-moi la prendre, frère. Tu fais un cadeau. J'ai mis ce clic. Mais laisse-moi la prendre, pitié. Merci. J'arrive. Putain, j'arrive pas à poser. Non, j'ai troll. J'ai troll. Il a full counter, il tape pas. Non, il a pas full. Bien joué ça. Payzen sur toi. No. Oh non, ouais. Oh. Allez, yes. Ah, on a full counter. J'arrive. Comment ça, t'as full counter? Je sais pas, j'ai pas full counter. Ah, bah c'est Freizen et roll solo. Freizen et roll solo, les gars. Je vous dis, Freizen et roll solo. Faut, les gars, par contre, Persiflo, il faut l'aider à tuer Freizen, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a résistance 2, hein. Mais oui. Allez. C'est le re-solo, hein, je le jure, hein. Oui, Pega, oui. D'accord, bah, me croyez pas, les gars. Dégage. Merde, chill. Voilà, allez, hop, merci pour les travaux. Merde, T'inquiète, frérot, ça, c'est pas un souci. Ouais, mais j'arrive. Viens, attends, j'arrive. T'es où? Non, c'est pour les gars. Je suis sur les arbres. J'arrive. Oh non. Ok, j'arrive pas. Cours, frère, cours. T'inquiète, moi je suis bien. Ouais, bon. Ok, lui c'est le rôle avec. Ouais, j'ai utilisé deux fois mal de full counter, les gars. Mais alors, la première fois, c'était une masterclass. Entre, j'ai perdu toutes mes gaps, j'ai. Oh! Zardop! Ouais. Les gars, on a fait un fight de fou, passez-moi des gaps. J'ai 4 gaps, s'il vous plaît, pitié. Ah non, mais Zorix aussi. C'est que j'ai 4 cœurs et demi là. Mais t'as pas un truc pour heal toi, Zardop? Si, je peux. Bah, heal. Mais c'est pas beaucoup. Comment il s'appelle? Zorix. Heal Zorix. Alors, les gars, il y a Sade méchant, évidemment. Oui, ça je sais. Ah, les mains, c'est groupe de et il y a le. Attends, celui qui me tapait aussi, il y avait un autre qui me tapait. Persiflo. Vous pouvez pas venir les fights là? Persiflo me tapait. Ouais, Persiflo, ouais. Persiflo. Et après, je sais plus, il y en avait sûrement un autre, mais je voulais. Vous voulez pas les fights d'ailleurs? Mais non, oui, si, moi je veux le fight. C'est groupe de 3. Mais oui. Ah, c'est groupe de 3. On est 3, c'est bon, on est 3. Allez, feu, les gars. Merde, je suis descendu. Ah, yes, du Thunder, yes. Ah, attends. Tape pas, c'est terrible. Ah, le compte total là, il est. Oh merde. Je me suis un peu trompé de personne. Ça, il doit être un peu lourd, les gars. Derrière toi, retentant, ouais, j'arrive. Back. Oh non, Bloodfire est méchant. Bloodfire est méchant. Je commence à me faire un gap moi. Il doit être low mec hein. Je suis sûr qu'il doit être low. Oh non. Oh non mais je suis une merde. Oh non mais je suis troll hein, c'est. Attends, je te le renvoie. J'arrive frérot. Quel enfer le fight dans l'eau. Vraiment. J'en viens bien les marres les Death. Ok, Rider, ils ont tué, parfait. Oh, sad. Sad, c'est le cas de le dire. Ah ouais, c'est clair. On est en train de se fight déjà les gars, sauf si vous êtes méchants. Ah non, vous gentil. Ouais bah alors venez pas. Oh Justin, bah, il y en a un qui peut venir. Ok, c'est moi, j'ai dit en fait. Ouais. Vas-y, bah go sur Bloodfire, Justin. Oh ouais, t'inquiète pas. Attends, tu le suis Ok, bon, c'est bon, il va essayer de leur côté. Ok, yo. J'ai deux gaps. T'as des cœurs en moins ou pas? Bah, juste deux, mais t'inquiète. Il reste que Bloodfire. Y'a pas un truc pour voir les rolls restants là? Si, c'est HNLT.
On les a écrasés les pauvres. On les a démontés frère. Ah c'est toi Hélène. Yay. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag Matsuga. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous donne rendez-vous samedi à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des bisous, c'était Pegaphile. À très bientôt, ciao ciao.